là c'est, des, c'est de l'encre imprimerie, l'essence de térébenthine ou du white spirit, ça dépend, chacun ses petits trucs, ça dépend ce que tu veux faire. C'est-à-dire c'est une matière très très libre, le monotype, tu vois, ça coule, c'est malléable, c'est jamais fixe, c'est ce qui fait l'intérêt. Il y a plusieurs techniques, tu noircis toute la plaque et après tu viens retirer de ce qui est l'entre-eau, la lumière apparaît. Et des fois tu fais le contraire, tu dessines, voilà, tu vois. Tu peux le travailler des heures et des heures, puis d'un seul coup il y a une image qui vient. Ce qui est intéressant dans le monotype, c'est là, le côté mutation permanente. Maintenant je viens de le mouiller, il faut que je sente à peu près s'il est assez, pas assez. Tu vois, il est très humide, elle s'est bien ouverte la fibre. Tu le retires, et voilà. C'est une matière très belle, ça. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien, mais il y a l'esprit. Voilà, c'est ça, le monotype, tout simplement. Ce sont les origines. Il faut que ça aille vite, parce que les monotypes, ça sèche assez vite, l'encre. Tu vois, il faut une journée, non, même pas, 3-4 heures. Bah tiens, voilà la couve.